Petits arrangements avec nos cœurs, c'est un roman d'amour qui raconte l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille qui se rencontrent quand ils ont 16 et 17 ans. Elle est le premier amour de ce jeune homme et lui, elle n'est pas très très amoureuse de lui au fond, mais bon, il faut bien un premier garçon à embrasser. Et puis, très rapidement, elle le quitte et elle lui brise le cœur avec pas mal de naïveté en fait. Et puis chacun vit sa vie et ils se retrouvent 15 ans plus tard. Elle ne l'a jamais oublié, lui non plus. Et là, ils vont vivre une grande histoire d'amour. Les rôles se sont un peu inversés puisque là, c'est elle qui va être éperdument amoureuse de lui et lui va quand même se garder de tomber à nouveau en amour puisqu'il a beaucoup souffert quand il avait 18 ans. Mais même s'ils ont tout pour être heureux, ça marche pas. Et ça raconte l'histoire d'une rupture qui n'en est pas vraiment une, puisque elle se refuse à le faire souffrir une deuxième fois. Et ça parle donc de ces petits arrangements dans un couple. Ils décident tous les deux, alors que leur couple est vraiment en train de se casser la figure, de partir et de faire une très grande traversée. Ils traversent les États-Unis en voiture, donc ils ont 6000 km. Et d'une certaine manière, 6000 km pour se quitter. Et c'est ce huis clos dans cette voiture entre cette femme qui n'aime plus ce garçon mais qui ne veut pas lui faire de mal, donc qui ne veut pas le quitter, et cet homme qui a tout compris mais qui veut encore passer un dernier moment, un dernier voyage avec la femme qu'il a aimée. Voilà. De manière assez banale, je crois qu'il y a rien qui déclenche la rupture, mais c'est plutôt un amoncellement de petites choses et de petits détails qui font qu'un jour on se réveille à côté d'une personne et on se dit l'année dernière je l'aimais follement et aujourd'hui je m'ennuie ou ça va pas ou... et il n'y a pas de vraie raison, c'est très banal en fait. Parfois effectivement il y a des ruptures où il y a quelque chose de terrible et un clash, mais là c'est vraiment la banalité de l'euphorie des débuts et ensuite du truc qui part en vrille malgré eux, parce que elle fait tout pour que ça tienne, lui aussi ils sont pleins de bonne volonté mais ça fonctionne pas. Je pense que le problème entre ces deux personnages, c'est que ça a mal commencé leur histoire quand ils étaient très jeunes, parce que c'était une situation déséquilibrée. Lui était fou amoureux d'elle et elle non. Et comme elle le fait beaucoup souffrir, alors qu'au fond elle y est pour rien. Quand elle a 16 ans, elle n'est pas amoureuse de lui, voilà. Mais comme elle l'a beaucoup fait souffrir et qu'elle s'en veut terriblement de l'avoir fait souffrir, elle essaye de se rattraper 15 ans plus tard. Et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne solution. C'est vraiment un roman qui parle de ce couple et de l'intimité d'un couple. Et qui est vu du point de vue de la narratrice, qui a un roman très précis sur les sentiments d'une femme qui aime un homme, mais pas assez pour rester avec lui. Et peu importe en fait leur environnement, les paysages qu'ils traversent, les gens qu'ils rencontrent, c'est pas ça qui compte. C'est vraiment qu'est-ce qu'elle, elle ressent à l'intérieur d'elle et où est-ce qu'elle va aller chercher la force ou pas de le quitter.